plus graves affaires d'infanticide de ces 30 dernières années, Céline Lesage est jugée depuis ce matin pour avoir donné la mort à 6 de ses nouveaux-nés, une femme sans histoire qui reste une énigme pour les experts. À Coutances, reportage Gwenaël Bellec et Mario Campenon. L'homme qui a découvert les corps des 6 bébés dans... Attends, faut qu'on parle. Bon, on passe une bonne soirée, on en parlera demain. Non mais je t'assure qu'il faut... Il faut vraiment cette maman. Bon, allez, faut qu'on parle maintenant. L'homme qui a découvert les corps des 6 bébés dans des sacs poubelles, c'est le père de l'un d'entre eux, le deuxième concubin de Céline Lesage. Et la voici, Céline Lesage. Dans le box des accusés aujourd'hui, elle apparaît frêle, timide. Entre deux sanglots, elle évoque son enfermement dans le silence, ses grossesses occultées. Et puis elle raconte les accouchements.
Et les meurtres, dans sa chambre seule, elle mettait la main sur le visage des bébés sans jamais les regarder. Elle nous a expliqué que ces bébés n'étaient rien pour elle, en tout cas pendant la grossesse, ce qui n'a pas vocation à la délester de sa responsabilité. Hein. Ça explique seulement qu'elle ait pu faire ce qu'elle a fait. Et Céline Lesage pleure beaucoup, évoquant cette période entre 2000 et 2007 à Valognes. Elle se sentait très seule. Mais vas-y, cogne, vas-y. Mais va-t'en, toi, va-t'en. Vas-y, cogne. Jamais connu de loi, c'est une...